municipal de Bordeaux. Cette cérémonie traditionnelle d'hommage, j'ai tenu à l'organiser aujourd'hui car nous avons vécu une année d'épreuves et de défis particulières. Depuis un an, vous avez traversé les intempéries, deux inondations en 6 jours. Vous avez traversé la crise sanitaire. Vous avez traversé la crise sécuritaire avec les attentats, notamment qui ont encore frappé la ville de Nice à notre proximité immédiate. Et depuis un an, vous avez été au rendez-vous du devoir et de l'engagement. Vous avez effectué plus de 14 000 interventions, interpellé en flagrant délit plus de 80 personnes. Et ce travail, vous l'avez fait en groupe, en unité. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui au nom de la ville et de toute mon équipe municipale. C'est à la fois nos remerciements, mais surtout notre fierté. Notre fierté de savoir pouvoir compter sur vous et de savoir que vous êtes une des meilleures polices municipales de France. C'est quelque chose que nous allons continuer ensemble. Depuis 3 ans, nous avons engagé une réforme profonde de cette unité. Au niveau de l'équipement, en rénovant totalement la brigade motorisée. Au niveau de l'armement, au niveau des uniformes, sachez que cette année, nous allons continuer. Cette année va être une année très importante. Dans quelques mois, nous allons mettre en œuvre la brigade lourde d'intervention. Cette brigade sera constituée par des agents volontaires, spécialement formés, car vous êtes aujourd'hui, dans votre totalité, c'est ce que nous a appris l'histoire, c'est ce que nous ont appris les événements, vous êtes désormais en tant que policiers municipaux les primo-intervenants, que ce soit en temps de crise sécuritaire ou en temps d'intempérie. C'est vous qui serez chargé d'aller évacuer les personnes, car quand la crise se déclenche, nous n'avons tout simplement pas le temps de faire intervenir d'autres forces. Aujourd'hui, l'État, dans sa force régalienne, n'est plus en mesure d'assurer toutes ses missions, et c'est à la ville, et donc aux polices municipales, qu'il va appartenir de s'y substituer. Et ce devoir et cet engagement qui est le vôtre va nécessiter une formation accrue. Cette formation, vous le savez, a commencé il y a déjà de nombreux mois. J'ai insisté particulièrement pour que vous puissiez faire sur votre temps de travail des entraînements physiques. Ces entraînements physiques vont se poursuivre, notamment avec des cours d'arts martiaux. Et j'imposerai que ces cours soient obligatoires et rentrent en compte dans votre notation. Car en tant que policiers municipaux sur la voie publique, en tant que porteurs de l'uniforme, nous ne pouvons plus prendre le risque de vous laisser vous engager sans formation adéquate. C'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. C'est quelque chose que j'ai mis en place avec Serge Limec, l'élu à la sécurité. Et ce sont les consignes que j'ai données à vos encadrants et à votre directeur. Sachez que je suis très fier d'être à votre tête. Vraiment très fier de votre travail. Et que j'apporterai un soin tout particulier à ce que cette police dispose toujours de ce qu'il y a de meilleur. Tant au niveau de la surveillance, et je félicite d'ailleurs nos agents du CSU pour leur travail remarquable de vigilance. Ce sont les yeux de la ville, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils ont encore prouvé récemment leur efficacité. Qu'au niveau de l'intervention, vous agents sur la voie publique. Et la brigade que nous allons constituer dans quelques mois sera l'incarnation de cette volonté. Vous allez disposer d'un matériel qui n'existe pas en France. Un matériel qui vous permettra de passer partout, en tout temps et dans toutes conditions. Car je n'oublie pas ce que nous avons appris des différentes crises. Je n'oublie pas les véhicules qui ont été abandonnés, les équipages qui ont failli être emportés. Et je vous tiens à vous remercier encore une fois d'avoir été présent de jour et de nuit sous la pluie et les bottes dans la boue, car c'est vous qui avez évacué les personnes. Et nos concitoyens ont envers vous une dette importante, et cette dette, nous allons faire en sorte de nous assurer qu'elle soit comblée. Donc sachez que nous sommes derrière vous. À une époque où les policiers et les gendarmes ne sont pas soutenus, sachez que je vous apporte mon soutien total et sans réserve. Et nous ne laisserons rien passer. Ceux qui vous manqueront en termes d'insultes seront poursuivis systématiquement. Nous ne devons rien accepter. Nous ne devons rien lâcher. Aucun mètre carré de cette ville ne doit être laissé à l'abandon. Ça ne commencera pas ici. Nous resterons une ville extrêmement sécurisée. Vous resterez une des meilleures polices municipales de France et vous continuerez à grandir en termes d'équipement, d'effectifs et de formation. C'est l'engagement que je prends aujourd'hui devant vous pour cette année qui s'annonce, qui sera encore une année difficile, une année sûrement pleine d'imprévus, mais l'imprévu aujourd'hui fait partie du quotidien des forces de l'ordre. Donc sachez que je compte sur vous, comme vous sachez pouvoir compter sur moi.
C'est ensemble que nous réussirons à faire cela, c'est ensemble que nous relèverons les défis, et rien, absolument rien, ne nous arrêtera et ne se mettra en travers de ce projet, soyez-en certains. Vous êtes un groupe, vous êtes une unité, j'attends de vous un seul esprit, un seul corps et une seule volonté. Merci à vous, vive Anguin-Napoule et vive la France.